cité d'Imam et Tanan, un quartier qui vit dans le noir. Les cités Imam et Tanan se trouvent à 650 mètres du terminus de la ligne 120. Elles sont rattachées au Fouktan de Sov-Maswanj, dans le 5e arrondissement de la commune rurale d'Antananarivo. Malgré sa proximité par rapport à la ville, ce quartier ne bénéficie pas des services de la Djirama et est donc dépourvu de réseaux d'électrification. Les 942 foyers qui y vivent souffrent de cette situation depuis plus de 20 ans. Le chef quartier d'Imam et Tanan, Henri Rindjiambel, nous a expliqué que 90% de la population utilise des lampes à pétrole ou des bougies, faute d'électricité. Il existe bien 5 groupes électrogènes opérationnels appartenant à des personnes privées, mais le coût de location revient beaucoup trop cher à la majorité des habitants, avec un tarif de 1000 ariars pour 3 heures. Ayant été informé du problème à travers les médias et en tant que porte-parole, le CST Nevra Holdin s'est engagé à alerter les membres de l'exécutif afin qu'ils agissent en faveur de ces habitants qui ont vécu trop longtemps dans le noir.